que vous avez la forme parce que nous, ça va super bien. Ça va même très très bien, les amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau challenge. Alors, quel est ce challenge? Vous pouvez me dire un peu. Télépathie challenge. Le Twin Telepathy Challenge, en quoi ça consiste? En fait, il y a des mots dans le saladier. Oui. Et on en piochera un. Et par exemple, s'il y a le mot boisson, et ben voilà. Nous, on doit trouver un mot à écrire en rapport avec ce mot. Et si on a écrit le même, et ben on met un point. D'accord, donc en fait le principe c'est de piocher un mot tout à fait au hasard que maman a écrit, donc les enfants ne sont pas au courant de ce qu'il y a sur les petits papiers pour qu'il n'y ait vraiment pas de triche. Et puis il va falloir que vous essayiez de deviner ce que va dire l'autre en le marquant sur le petit papier, et c'est et ça? On n'a pas le droit de se regarder. On n'avait pas déjà fait un petit challenge qui ressemble à ça une fois? Si, c'était le Slime Twin Telepathy Slime Challenge. C'était avec du slime en fait. Oui, et ça vous avait plu? Oui. Oui, on avait presque fait le même slime. Oui, presque le même slime, tout à fait. Donc là, cette fois, c'est avec les petits papiers, les stylos. Donc chacun a un papier, un stylo. Donc soyez indulgents. 10 papiers. Parce qu'il y a 10 mots. Il y a 10 mots, oui, tout à fait. Donc soyez indulgents envers Océane qui est qu'en CP, donc elle apprend tout juste à écrire. Donc moi, ma chérie, si tu sais pas écrire, c'est pas grave, tu nous le diras. À voix haute, d'accord? Et moi, okay. Si je sais pas l'écrire. Toi quand même. Tu es un peu plus grand quand même, comme tu viens de dire, tu es en CE2. Oui. Alors c'est parti, qui pioche le premier mot? On fait Chifoumi. Chifoumi, vas-y. Je prends mon stylo avec ça. Chifoumi. Donc c'est à Corentin de commencer, donc c'est parti, tire le premier mot. Alors si Océane, tu dois dire le mot, tu le dis après que Corentin ait écrit, d'accord? Si tu sais pas l'écrire, parce que sinon, s'il y a triche. Voiture. Voiture. Ok, c'est bon. Donc cache ta petite feuille. Toi, tu vas l'écrire ou tu vas le dire? Non, tu le diras? Je l'écris. Bah, écris-le alors. C'est bon? Ok, donc on peut montrer les petits mots. Alors, Océane, c'est écrit vraiment petit. Alors attention, montrez-moi ça. Alors Corentin, c'est écrit roux. Et toi, Océane? Volant. Volant. Alors à la fin de volant, t'as mis un T? Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. V-O-L-A-N et il manquait le T, bravo. Par contre, ça fait 0 points. Mais franchement, pas mal, Océane, hein, d'avoir écrit volant comme ça. Oui, volant, c'est très dur à écrire. 0 points. Voilà, 0 point. Ok, donc tu peux mettre le petit papier de côté et tu peux piocher le deuxième mot. Ah, j'ai pioché. Oui, ça, Océane. Donc on y va. Je peux le lire. Fruit. Ah. Attends, on va monter. Ouais. Cache Océane quand tu écris. Hein. C'est bon, c'est fini, loulou? Oh, bah, vous avez fini en même temps? Allez, 3, 2, 1. Alors, qu'est-ce banane. Que tu as écrit? Banane. Et toi, banane. C'est banane. Oh! Alors, moi, c'est un de mes fruits préférés et elle aussi. Donc, on était un petit peu pareil là. Bah, ça fait combien? Ça fait un point partout alors? Oui. Ouais. Attends, je vais marquer le 0. Un point partout. Bah, bravo, les loulous. Bravo, bravo. Donc là, on a 0 points. Donc vous avez 1 point. Ça fait 0, 1, on bravo, on bravo. 2. Et après, à la fin, on fera une moyenne pour savoir si vous êtes au-dessus de 5 ou en dessous de 5, on verra. Ok, donc c'est parti. Mot numéro 3, bah vas-y. Alors, bah, c'est toujours le premier qui vient. Crayon. Un crayon. Crayon. Ok. Ah, très idée. C'est bon, Louloute? C'est pas grave, hein, si tu l'as mal écrit. Hein. Donc on y va. 3, 2, 1. Couleur. Dessiner. Ouais, pas mal, pas mal. Dessiner, oui. T'aurais eu tenu avec AR à la fin, mais bon, c'est super. C'est ER, normalement. Donc couleur pour Quentin, dessiner pour Océane. Et c'est 0 points. Mais on est toujours à 1. Ah oui, je me doutais si je voulais. Vous êtes couleur ou dessiner? Mais je me suis dit dessiner parce que ça rapport avec crayon.
Et voilà. Non, ben voilà. Mais les crayons de couleur. Ah, tu as quand même hésité quand même avec couleur. Hein. Alors là, on est au mot numéro 4. Ok, donc ça aussi, c'est de piocher. Donc vas-y, ma chérie. Voilà, il est long ce mot. Hein. Caméra. 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 Oh. Ouh là là. Je crois qu'on a tous marqué pareil, mais bon. Tous ? Vous êtes que deux. Ok, c'est parti. Alors 3, 2, 1. Vidéo. Oui. Bah oui. Une caméra pour faire des vidéos. Eh ben oui, forcément. Bravo. Ça fait 2 sur 4 déjà. Ça fait le 2 du CE1. C'est la moyenne, hein. Bravo les loulous. Alors on continue avec le cinquième mot. En fait, je marque à quel point on était au moment de ce point. Ok. Si vous me voyez mettre 2 fois 1, c'est normal. Ok. Fais tes comptes, vas-y. Alors, le dernier mot que j'ai écrit, vous saurez le numéro. Je regarde pas. École. École. Oh là là, j'en ai un. Ou si Océane le marque, eh ben, il n'y arrivera pas. Écris tout petit, Océane. Oui. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Travail et travailler. Bah, Travailler, pas mal, Océane, comme tu l'as écrit. Hein. Bah, travailler, on peut dire que c'est la même chose. Hein. Oui, moi, je suis d'accord. Est-ce qu'il est bien écrit ? Super bien écrit, Loulou. Super oui, c'est bien. Bon, je me suis pas contrairement à Océane qui a écrit travailler, I et. Mais c'est pas grave, c'est très bien. C'était Y. Oh là là. Mais non, bon, c'est très bien d'essayer. Donc bravo, vous avez marqué 3 points sur 5 quand même. Oui. C'est plus que la moyenne, moi, je tiens à vous dire. Allez, on continue avec le 6ème mot. C'est voilà. Moi qui pioche. Bah oui, c'est toi. Bah école, travail, hein, c'est un petit peu logique. Je croyais qu'on allait mettre ça, quoi. Neige. Neige. Parce qu'elle a dit neige. Neige. Alors, si elle écrit ça, elle ne saura pas l'écrire. Allez, c'est parti. Ok. Donc, 3, 2, 1. Blanc. Noël. Ah, moi j'ai marqué blanc. Oui. Parce que la neige, c'est blanc et moi, elle, neige, c'est Noël. Moi, je sais comment ça s'écrit Noël parce que j'avais fait dicter. Ouais, mais il y a un E en trop à la fin. Ah. Noël. Et du coup, bah, vous restez à 3 points sur 6 parce que bah, c'est pas bon. Mais bon, bien pensé. Hein. Oui, Noël, oui. Bah, c'est le pote, c'est bien aussi. Allez, on continue avec donc le 7ème mot. Attention. Boisson. Ah, oh, boisson. Un exemple. Oh. Ah ouais. C'est vrai. Tu avais dit un exemple. Bon, en même temps, il y en a plein des mots qui existent sur la Terre. Alors, c'est parti. 3, 2, 1. Coca. Oh ben. Coca. On pouvait pas le louper celui-là. Ah ben là, ben, forcément, oui, le coca qui est la boisson préférée de la famille. C'était trop fastoche, on va dire. Donc, ça fait combien de points là? Je sais plus où j'en ai. 4. 4 sur combien? Sur 7, je crois. Depuis tout à l'heure, je les ai écrits. Là, il y en a 4, tu peux être sûr. Il y en a 4. Bah, trop bien, les loulous. Allez, on continue donc avec le 8ème mot. Oui, les mots. Chaussette. Océane, j'ai déjà trouvé. Je vois ce qu'il écrit, Corentin. Voilà. C'est bon, donc tu peux dire Océane. Pu. Ah. Bon, bah moi j'ai mis qui pue. Alors moi franchement, bah, franchement les amis, ça pue, on est bien d'accord. pas les miennes en tout cas. Mais c'est pareil, hein, c'est pareil. Dites-nous dans les commentaires, moi j'aurais dit bon, plutôt pied, j'aurais dit plutôt chaussures, j'aurais plutôt dit quelque chose comme ça, mais... Bah qui pue, voilà. Bah pue ou qui pue, franchement, bah ça marque un point. Hein. Oui. Ouais. Ouais, bravo les loulous, donc ça fait 5 points
Franchement, vous en sortez pas mal. C'est bon, l'objectif. Franchement, pas mal. Ouais, déjà, vous avez la moyenne. Ça, c'est cool. Allez, on continue donc avec l'avant-dernier mot. Oui, effectivement, il n'en reste plus que deux. Alors, c'est parti. Eh bien, on est presque pareil. Hein. Bah ouais, en fait. À moitié pareil, on va dire. Comme avec le sein. Manège. Manège. Tu vas me dire, on a mis le même, là. Allez, on y va. Mais tu m'as fait bouger. Je m'appellerai un truc de maternelle, tu sais. Quelle vidéo studieuse. Et toi, Loulou, tu sais, bon, c'est quoi ce mot? Allez, on y va. Donc, 3, 2, 1. Disneyland. Bon, Disneyland, Disney, on va pas se le cacher, c'est pareil. C'est pareil, je vous l'accorde. Bah, bravo les loulous. Mais Disney, ça va. Avec... Tu vois comment t'écris Disneyland, toi? Ouh. Et moi? Toi, c'est bien. Bon, on sait à Disneyland. Bon, en même temps, c'est pas un... on va dire que c'est un nom propre, donc il n'y a pas de photo donc propre. Ok, donc ça fait 6 points quand même. Ah oui, elle a mis un des majuscules. 6 points, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Vous en sentez plutôt vraiment très bien. Donc là, c'est... Ah, ça aussi, Anne. Ah oui. Le dernier mot. Donc c'est parti et c'est... Vidéo. Ah, vidéo, on l'avait mis. Oui. Ah hey, ouais, vidéo, tout à fait. Donc oh on y va. Oh là là, oh là là. Ah, ah. Ok. Oui, j'ai écrit juste. Allez, donc vas-y. 3, 2, 1. Kid YouTube. Kid Studio Test. Ah ouais, c'est presque pareil, mais c'est pas ça. Donc ça fait 0 points. Mais t'as pensé à YouTube aussi, Océane, en fait, au final. Donc on reste à combien de points? À 6. 6 points. Ouais. Trop bien. Vous êtes plus que la moyenne. Attends, vous savez quoi? Qu'est-ce que tu marques? Oui! Winner! Les loulous, c'est la fin de ce challenge. Est-ce qu'il vous a plu? Oui! Dites-nous dans les commentaires surtout ce que vous avez pensé de ce challenge et aussi ce que vous avez pensé des résultats de Corentin et Océane. Moi, je suis vraiment étonnée parce que vous avez eu 6 sur 10. 6 sur 10, c'est quand même plus que la moyenne. Vous êtes vraiment très fort en télépathie, moi je dis. Il nous a manqué 4. Ouais, que 4. Alors, je sais pas, bah, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vraiment aimé ce challenge? Oui. Oui, je peux le refaire, je le refais. Ouais. vous auriez pensé avoir combien en fait? On peut le faire en vie? Bon, si tu veux, en vie, on fera ça. En vie, vie. En vie. Par exemple, tu... Par exemple, moi je vais aller faire des courses et lui quand ainsi. Ah d'accord. Décidez ce que vous allez faire dans la journée en fait en télépathie. Pas mal, plutôt pas mal comme idée. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'idée d'Océane. Donc d'ailleurs je vous posais une question. Combien vous auriez pensé faire? De quoi? Vraiment, j'aurais pensé qu'on allait faire un 4. Un 4? Moi un 3. Un 3? Bah alors vous avez éclaté ce que vous pensiez faire. On est en télépathie. 3-4, c'est bientôt pareil. Ouais, bon, on va pas pousser le bouchon trop loin. On peut l'accorder en 7. Donc les loulous, comme je vous disais, c'est la fin de cette vidéo. C'est un challenge que vous pouvez réaliser facilement à la maison. Il y a besoin d'un papier et un stylo, voilà. C'est super simple. Voilà, et d'avoir un peu d'idée sur les mots. Nous, on va vous laisser. N'hésitez surtout pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu d'ailleurs. Si c'est le cas, ils peuvent faire quoi? Mettre un petit pouce vers le haut. Et puis aussi, bah, si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les copains? Abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait les gros bisous et on vous dit... Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Ciao. Bisous.